Bienvenue pour l'épisode 34 de l'ombre de l'histoire, table clan mineur. Tout de suite un résumé des épisodes précédents, et puis voilà. Alors c'est pas moi qui vais faire le résumé. Ah bon ? Ah mince. Bon d'accord. Eh bien, nous étions arrivés dans une sympathique ville en bien sale état, il faut le dire. Puisqu'elle est ravagée par la maladie. Donc, Yoake avait été appelé par le Daimyo, je crois, ou le Karo, un truc comme ça, pour expliquer son absence. Globalement, on ne sait pas trop ce qu'elle a foutu. Beaucoup de rapports. Voilà. Tu connais le gouvernement chez les grues. Ouais, ouais. Ça. Et moi, pendant ce temps-là, je m'étais présentée au temple afin de proposer mes services en tant que Shugenja. Ok. Kikyo, de son côté, était la seule à avoir fait des trucs vraiment utiles en essayant d'aller voir le carreau, politiquement utile en tout cas. En essayant d'avoir un rendez-vous avec le carreau, elle s'est retrouvée invitée à la cour le soir avec moi du coup. Gekita, ton micro il reste ouvert. Oh, c'est bizarre. C'est mieux ? Ouais. Il y a une espèce de friture derrière toi qui maintient le... Vous l'entendez quand je parle ou pas ? Un petit peu, mais c'est... Enfin, quand tu parles, c'est léger, mais des fois, quand tu parles, ça maintient le volume. La prise, le problème quoi. Devrait être réglé, normalement. Je te remercie. Désolé, Comori. J'en étais où ? Oui, donc Kikyo s'était fait inviter pour une cour pour se présenter au Daimyo. Nous y étions donc rendus toutes les deux. Du coup, durant cette cour, elle s'est d'abord montrée quelque peu maladroite en posant beaucoup de questions sur une membre du clan de la grue qu'elle recherche. Mais ensuite, elle a impressionné tout le monde avec un récital de poésie et bon, globalement, après, c'était facile pour elle, à part que les grues l'ont fait boire pour essayer de passer une douce nuit avec cette artiste merveilleuse. Nous avons aussi pu parler au carreau qui nous a appris où se trouvait une des membres du clan de la grue que recherchait Kikyo, puisqu'elle était impliquée dans la disparition du clan du lièvre. Elle faisait partie des témoins qui ont dit devant l'empereur que le clan du lièvre faisait de la Mao. Mais cette personne était dans un... parce qu'elle aurait pété un câble. Moi, je me suis renseignée sur le père de ma Yojimbo, parce qu'il était justement passé dans la ville et que bah du coup, ça me semblait sympa d'essayer d'en savoir plus sur sa localisation. Mais bon, il serait parti en recherche d'informations après. Donc, j'avais lancé des pistes pour avoir des... certains amis qu'il s'était fait sur place, des amis, si j'ai bien compris, pas forcément très, très prudes. Qu'est-ce que j'oublie ? Je crois que c'est tout pour la cour. Ensuite, nous étions rendus chez... Quoi, moi, j'étais retournée au temple. Kikyo s'était rendue à la ville pour essayer de voir à qui elle avait affaire. Du coup, elle s'est rendue compte que la personne n'était peut-être pas forcément complètement folle et que donc, elle m'a fait venir pour que j'essaye de voir avec elle ce qu'on pouvait faire.
On a fini par la faire parler. Elle nous a avoué qu'elle se cachait dans cette ville de peur de mourir et que son oncle lui avait demandé de témoigner, mais que son témoignage était faux, ainsi que celui sans doute des autres. Des autres qui ont des autres témoins. Potentiellement tous les témoignages étaient... qu'est-ce que j'oublie ? Je crois qu'on s'était à peu près arrêté là, non ? Oui. Bon bah voilà alors. Je pense que c'est à peu près ça, effectivement. On va remettre la carte. je pense qu'on va reprendre le lendemain. Vous pouvez... Guita Yorake est dégagée de ses obligations avec les autorités grues de la ville. Tu as fini ton rapport. C'est ça. De régler tous les problèmes de laisser passer. T'as oublié de dire quelque chose d'important quand même. En revenant de la petite cour là, on était suivis. Ah oui, quelque peu important. Bah vas-y. Vas-y. Bah, c'est là qu'on était. Bah du coup, ça veut dire que on était suivis et que la chambre de Kikyo a été fouillée. Apparemment, ils n'ont rien pris d'important. Pour le. Ouais. T'as pas trouvé de mots doux dans ta chambre ? Bah, c'est surtout que plusieurs fois le MJ a demandé ton katana, est-ce que tu l'avais bien sur toi ? Il ne me quitte jamais. De façon extrêmement discrète et pas du tout. Bref. Ouais, ouais. Bah, c'est difficile de savoir. je vais noter ça. Donc, cette discrète allusion nous a fait penser que peut-être. Non, moi je pense que c'était pour lui voler des sous-vêtements. Au vu de sa représentation. Ouais, mais elle avait pas encore. Elle avait pas encore brillé à la cour, donc il n'y avait pas de raison. Quoi. Bah, c'était en revenant, donc. On a d'abord pensé aux sous-vêtements, et puis après on s'est dit, ah mais non, mais c'est peut-être le katana en fait. Mais justement, vous avez pas eu le temps de revenir. Il y en a un qui a vu la représentation et qui s'est direct précipité. Ah. En se disant qu'il n'y en aurait plus après. Comme le vieux dans Ranma à demi, super rapide. Mais quelle bande de pervers dans le clan de la grue quand même. Ah bah oui, ça. Moi, ça m'avait plus pensé aux valseuses qu'à Ranma à demi, mais ok. Ah, c'est bien le vieux dans Ranma à demi qui vole les sous-vêtements et qui défonce Ranma en permanence. Ouais, je crois. C'est possible, c'est le père dans... Non, il y a un petit vieux qui est minuscule. Ouais, bah c'est son père. Non, son père, c'est celui qui se transforme en panda. Ah, c'est son grand-père, alors. Peut-être son grand-père, ouais. Fouille de la maison, tentative de vol. Voilà. Et, gaffe, et du coup, comme Kikyo était pas en super bon état, elle va... Les ramener au temple voilà. Pour qu'elle vienne y dormir. Je loge au temple et j'y travaille et... Et ça déclenche quelques petites inquiétudes, vu que dans mon état, travailler au milieu de l'épidémie n'est peut-être pas l'idée du siècle, mais bon. Alors, justement, en parlant de l'épidémie, vous allez tous me faire un jet en constitution. Ah non. On a droit de mettre du bleu ou pas ? Non. C'est bien ce qui me semblait. J'ai oublié de me connecter. Potentiellement, vous pouvez ajouter votre honneur. Pas d'accord. Mais comme c'est de la longue durée, je n'accepte pas le vide. Je comprends. En constitution plus honneur, moi je suis bien barré, tiens. Sans doute un peu. 13. Ok. Ouais, c'est ça, 13. Oh, bah oui. Ok. Wasco. Komori Kokoe. Oui, je suis en train de me connecter, je suis désolé. Vas-y. Je vois qu'on a beaucoup de constitution. Ah bah toujours. C'est grand D, c'est ça ? Grand G. Grand G, oui. 2 G10 plus, t'as dit l'honneur. Honneur 3. ça va pas. Pourquoi ça va ? Parce que t'as mis des G10, t'as pas besoin. Faut que tu mettes combien t'en lances, combien t'en gardes. Oui. C'est 2 G2. Pas 2 G10. Ah oui. Oh là là, je suis... Désolé, je suis fatigué et ben voilà, ça se voit. Ok, alors vous allez tous choisir un trait physique et il va descendre au 2. Hein.
D'accord. Un trait physique et il va descendre de 1. Ouais, c'est la maladie qui vous affecte et qui vous affaiblit. Et donc, du coup... Les réflexes. La force. Je vous conseille de choisir 1 à 2 parce que ça sera plus facile à remonter en termes d'XP. Ah, c'est permanent, en fait. Ah oui, c'est permanent, ouais. C'est... Ah ouais. Ah ouais, t'es violent. Ah là, c'est une maladie violente. Et en fait, c'est pour ça que bah, les samouraïs ils survivent un peu mieux. Mais les émines et les états, bon, ils ont pas tous deux dans leurs caractéristiques physiques. Ouais, mais si je baisse la constitution, après je vais mourir. Pourquoi? Je sais pas, je suppose que ça fait que ensuite on va refaire des jets pour... Alors, mais attends, après, c'est bordel, parce que ça te baisse ton rang de maîtrise aussi. Oui. Ouais, ouais. Bon, je vais descendre la constitution à 1, tant pis. Je ne ferai pas d'autres jets. D'accord. Considère que vous avez on été... Est sorti, vous avez été on a été très malade. Infecté, et du coup... voilà, ça y est, automatiquement vous allez vous réveiller dans un état un peu comme ça et vous allez vous soigner. Alors, la constitution me semble logique vu l'état de Kokoe, mais par contre, qu'est-ce qui se passe pour sa grossesse? Ah bah tu verras. Moi c'est pareil, je vais descendre la constitution aussi. Sinon je peux plus tirer à l'arc. c'est quand même très gênant. Oui. Bon, non, maintenant c'est bon, t'es une artiste. T'as plus besoin de tirer à l'arc. Hein. Tu peux descendre l'agilité hein, si tu veux. Oui, toi t'en as pas trop besoin de l'agilité. Ouais, mais non, maintenant que j'ai un statut d'artiste. t'as qu'à utiliser ta bouche pour faire artiste plutôt que tes mains, écoute. Mon dieu. Ouais, on passera sur les doubles sens. Sous-entendu, hein. Ouais. Ouais. C'est une membre du clan de la grue, on va dire. Bah, quoi? Je veux dire chanter bien, plutôt que jouer de la musique. Oui, bien sûr. L'avantage, c'est que quand vous êtes infecté une fois, vous développez des défenses après, donc vous l'aurez plus. D'accord. C'est comme la... Comment ça s'appelle? Ça s'appelle... ouais. Il y a une maladie grave qui est pareille. Je me rappelle plus ce que c'est, d'ailleurs. La coqueluche, non? Ah, tu parles de maladie humaine? Ouais, il y a une maladie humaine qui est comme ça aussi, qui fait des boutons. Mais je sais plus ce que c'est. Alors, en l'occurrence, moi, ce que je vous propose, c'est de faire une espèce de petite ellipse où bah, vous allez passer 2-3 jours peut-être à vous rétablir sans trop bouger. Et puis quand effectivement votre santé reviendra, vous allez pouvoir reprendre la route. A priori, c'est ce que vous aviez en tête, si je me trompe, enfin, sans vouloir vous, ouais, vous forcer. Mais... Du coup, je suppose que je n'aurais pas du tout pu surveiller. J'avais promis à la fille de la ville de surveiller. Mais si je me suis trouvé mal, bah, j'ai sans doute pas eu la concentration nécessaire. Mais surveiller quoi ou qui? Surveiller qu'elle n'a pas de problème. Et j'avais demandé à faire un rituel dans sa chambre. Ah oui. Oui. Non, mais y a pas eu de problème. D'accord. Pour le moment. Donc, bah oui, on reprend. Donc, du coup, votre destination La mer de. Ouais, je crois qu'on voulait aller sur le. Voir ma mère et après prendre le bateau. Ouais, parce que attends, on est peut-être encore porteur de la maladie, ce serait dommage de pas la ramener, quoi. Ouais. Elle est partout de toute façon, il me semble, la maladie, non? Oui. Je plaisante. Elle commence à être un peu partout, effectivement. Des Shugenja vont vous faire boire du thé aussi. Pour vous soigner. Mm-hmm. Boire du thé? Oui. Oh, c'est cool, ils ont un remède. Ouais. Et ça soigne ou pas? J'essaierai de me renseigner du coup sur ce remède. Déjà, oui, je dois oui, le connaître, ça, le remède, ça. Puisque j'ai travaillé à l'hospice. C'est d'ailleurs comme ça que je suis tombé malade. Hein, Obi? C'est un remède qu'on fait prendre que aux gens qui ont survécu. Ou qu'on pense qu'ils vont survivre. Et je sais ce que c'est du coup ou...
J'y ai travaillé, quoi. Quand même moyen que j'ai. Bah en fait, je me demande si les moines ont été mis au courant un petit peu. En tout cas, j'aurais naïvement posé la question, évidemment. Sans aucune intention de percer leur secret, en fait, simplement parce que c'est une maladie grave partout dans l'Empire et que du coup, bah oui, je. Bah, ils vont te dire que c'est pour prévenir d'éventuelles corruptions, en fait. Corruption ? Voilà. Cette maladie serait corruptrice ? Cette maladie est surnaturelle. Oh. Du moins, il y a un fort doute. Donc, on préfère prévenir que guérir. Donc, Lutter de jade, du coup. Oui. Je vois. Et tu vas te rendre compte qu'il y a quelques samouraïs qui ont mal réagi au thé de jade et qui, le lendemain, ne sont plus là. D'accord. Voilà. Me permettriez-vous, en tant que Shugenja, d'en emmener un petit peu avec moi pour le donner aux personnes qui ont été malades sur mon chemin et continuer ainsi votre mission? Alors, Ce n'est pas une obligation, c'est simplement pour vous aider à gérer l'épidémie sur les terres. Vous allez traverser la grue. Donc il n'a pas besoin que je vous en donne. Le grand de la grue sait s'occuper de ses paysans ses samouraïs. Nous nous rendrons ensuite sur les terres du clan du renard. Je ne sais pas si ce serait nécessaire là-bas ou pas. De toute manière, c'est comme vous le souhaitez. Je proposais simplement de continuer à vous aider. Mmh. Je vous en remercie, mais nous avons un bon cap, je pense, pour éradiquer ce mal. Je vous souhaite bien du courage dans votre mission. Est-ce que vous avez besoin d'une scène de discussion tous les trois, ou est-ce que vous voulez qu'on passe directement à l'étape? Alors, je pense que Kokoe sera restée relativement discrète sur l'épisode de l'asile de fous devant Yuake. Elle lui aura évidemment dit ce qu'ils ont appris, mais pas dit qu'il y avait une grue qui se cachait derrière. Enfin, voilà. Elle sera restée évasive sur les détails. Ah, c'est dommage, ça m'aurait fait plaisir de savoir comment Kikita Yuake aurait réagi à ça. Elle aura relativement protégé la pensionnaire, en fait, tout simplement. Je pense que Kikyo n'aura pas relevé. Après, Kikyo a pu dire la vérité, hein. J'aurais rien dit qui va à l'encontre de la vérité non plus. C'est juste que j'aurais passé certains points sous silence. Bah, faites le RP, ça sera plus facile. Hein, ça sera plus simple, je pense. Ouais. Ouais. D'accord. Cousine Kikyo. Ah, nous avons retrouvé une trace des témoins qui ont fait tomber le clin du lièvre. Il y en avait une dans la ville où nous étions avant, et nous avons pu la rencontrer. Cependant, elle aurait agi sous la contrainte de son oncle, et c'est lui qui serait en vérité incriminé par cette histoire. Un certain Dedoji Tayan. Il paraît qu'il se cache, probablement. Dajan. C'est un D. Dajan. Ah, j'ai noté un T. Il se paraît qu'il se cache actuellement, effrayé par une vengeance, quelqu'un qui semble chercher à se venger de ce qui est arrivé au clan du. Mais il y a aussi des relations avec le clan du Scorpion. Enfin, ça a l'air une histoire bien compliquée impliquant plusieurs clans. Ouais. Comme si un groupe de PJ était dans l'affaire. Vous croyez une personne qui se dit s'être parjurée sur... Nous ne croyons rien du tout, mais il faudrait peut-être s'assurer de ce qui se passe. Car si elle s'est parjurée sur ordre, le mieux c'est qu'elle
Elle témoigne devant un magistrat et le problème sera réglé. Elle ne semble pas prête. Cette affaire, de toute façon, semble avoir plein de d'arrière et de personnalités impliquées. Ouais, dans ce cas-là, il ne serait pas bon d'en parler à un magistrat d'Émeraude. Étant donné que nous ne savons rien, que nous venons juste de commencer à découvrir certaines choses, je pense que Et puis, nous ne pouvons absolument pas nous avancer sur ce genre de domaine sans avoir des alliés suffisants pour corroborer nos dires. Nous nous prendrions seulement un duel et ce serait fini. Il suffit de pas de... Tu vois, peut-être de pas dire de non et de juste dire ce qu'on a entendu par rapport à cela. Après tout, c'est vous qui choisissez. Je peux envoyer un rapport à un magistrat d'Émeraude de ma connaissance pour lui faire part de ce que nous avons découvert sans nous avancer pour autant. Oui, il suffit de dire que nous ne sommes pas prêts à témoigner car nous n'avons pas plus d'informations que ça. N'ayant que des informations de deuxième main et aucune suffisante, ce ne sont là que des doutes, voilà. Je peux faire ça. Vous avez dit Daidoji comment ? Dajan. Ça me dit quelque chose ou pas ? On a perdu le MJ. Ah, et à son âme. Et à son âme. Vous m'entendez pas ? Si. Mais on t'entendait pas avant. Je disais non, tu le connais pas, il est pas très très connu, a priori. Okay. Donc, Qui est la personne que vous avez rencontrée à l'asile ? Je sais plus son nom, mais je te le donne. Daidoji quelque chose. Ouais, voilà, Daidoji quelque chose. Je me disais aussi qu'elle avait un nom bizarre. Ça me dit rien non plus, je suppose. Non. Ok. Pour le coup, ils peuvent te décrire que c'est quand même quelqu'un d'assez jeune. Par contre, juste en rappel, les témoins ont témoigné devant la cour impériale et l'empereur. Hein. C'est ça, donc on peut pas trop... Pour moi, c'est limite dangereux en fait de s'avancer maintenant. Oui, d'autant plus que l'empereur a fait tomber le clan, il a dit que ce clan n'avait plus lieu d'être, donc... Ah oui. Ah, je pensais qu'ils avaient témoigné à un magistrat d'Émeraude qui avait ensuite mené une enquête, mais... Non, ils sont assurés devant l'empereur. C'est ça qui s'était passé. Ils ne peuvent pas trop reculer. Et dans ce qu'elle vous a raconté, il y avait des personnes connues pour que l'empereur et la cour... Ah oui, il y avait le daimyo de la famille... Yasuki. Yasuki, voilà. Ah. Il a lui aussi témoigné, il me semble. En effet. Et le troisième. Nous avons des poids bien trop lourds. Le troisième, c'est un Izawa. C'est assez incompréhensible comme affaire. Bien d'accord. Je vous l'ai dit, j'ai des soupçons quant à la véracité. Pour moi, il y a eu tromperie. Ah, il y a eu tromperie, ça a l'air d'être le cas, mais pour quelle raison ? Qui aurait intérêt à faire tomber un clan mineur qui, en fait, ne posait pas de problème ? Il doit y avoir quelque chose derrière Est-ce tout que ça. Vous qui êtes de clan mineur, peut-être connaissiez-vous plus que moi la mission du clan du Lièvre, à la base ? Mon clan est proche de celui de la Mante. Nous il me semble qu'ils étaient chargés de traquer la corruption. Tu m'arrêtes si tu dis... C'est valable. En tout cas, il y a peut-être un rapport avec la maladie qui prend actuellement l'Empire. La Elle semble être d'origine bien sombre. Ah, vous parlez de cette corruption. Bien oui, il y en a d'autres. Des personnes corrompues, il y en a. Oui, bien sûr, mais... Vous savez peut-être, du moins, il me semble pas que le clan du Lièvre avait des implications politiques à la cour.
Pas à ma connaissance, mais je n'étais pas à la cour, donc ma connaissance s'arrête très vite. Mmh. Bah, t'as sage, ça va, hein, elle est grande ta connaissance. Hein. Oui. Et du coup, est-ce que à ma connaissance, ils étaient impliqués à la. Non. D'accord, bon bah voilà, ma connaissance me dit que non. Ils avaient des alliés particuliers Quand dit ma connaissance. Ouais, je sais pas non plus. Ah bah. Je peux pas vous aider. Hein. Est-ce que. Ah. Une chose est sûre, le parchemin que je. Enfin, le document que je vous ai déjà monté est à l'origine de l'attaque du clan du scorpion sur le clan du Cependant, le clan du renard ne se trouve pas très loin des terres du clan du lièvre, il me semble. Peut-être ont-ils des informations à ce sujet, puisque nous nous rendons justement là-bas. Peut-être qu'avant de partir, il pourrait être intéressant. Ouais. Non, se renseigner sur le clan du lièvre n'est pas une bonne idée. Mais il serait... tout de même. Ouais. Il serait bien de savoir si ils faisaient partie d'une alliance ou de quelque chose comme ça, car du moins, leur disparition n'a peut-être rien à voir avec la corruption et peut-être avec un autre sujet. Il faut mieux éviter de. C'est possible, c'est possible. Actuellement, nous n'en savons rien. C'est ça. Nous pouvons essayer de retrouver celui qui se cache, mais voilà, je ne vois pas trop d'autres. Mais voilà, pour l'instant, je ne pense pas qu'en parler à un magistrat soit approprié. Nous ne sommes pas prêts. Vous avez dit un Daidoji, un Nisawa et un Yasuki. Ouais. Il y avait aussi un Hide, mais il a été assassiné à la capitale. Déjà, je trouve étonnant que. Un Hide également ? Oui. C'est-à-dire que c'est un ami d'enfance de la Daidoji. Et elle dit qu'il a potentiellement agi par fidélité pour la même personne qu'elle. Ce qui m'étonne le plus, c'est de voir un Daidoji et un Yasuki agir de concert. Il y avait peut-être de plus grands buts lors de cette action. Pas parce que Yasuki et Daidoji ne s'apprécient guère qu'ils ne sont pas capables de faire cause commune sur certains sujets précis, non ? Juste un détail, je pense que Tsurushi, tu leur as pas donné la chronologie exacte, non ? Des événements ? Non, je pense pas. Je l'avais déjà fait une fois, mais bon, comme c'était. Ah, c'est pas grave. Du coup, ouais, je peux le refaire, quoi. Alors, si j'ai bien pris des notes, je sais pas. ça a commencé d'abord avec une histoire de documents. Oui, c'est le document que vous m'aviez montré. Voilà, quoi. D'ailleurs, je me suis renseigné et il s'avère que les personnes qui nous l'avons montré ont été assassinées. Oui. Les personnes à qui vous avez montré le document ont été assassinées ? Oui. Oui. Et d'autres archivistes aussi, donc je suppose qu'ils ont... Ils ont dû faire des recherches. Ils ont dû faire des recherches, ouais. Visible. Voilà, quoi. Cependant, il avait un document que j'ai pu recopier. C'est bien plus grave que... Ouais, si vous avez montré à combien de personnes ce document ? Un archiviste, mais il l'a montré à ses amis. Voilà, afin de. Et ils sont tous morts. Oui. Ouais, vous êtes sûr que vous voulez quand même pas en parler à un magistrat, car là c'est. C'est pas que des faux témoignages, c'est de l'assassinat également. Ah oui, oui, mais le problème c'est le manque de preuves. Après, encore une fois, je veux bien parler à un magistrat, mais dans ce cas-là, un magistrat de ma connaissance et peut-être pour déjà demander conseil. Bah, le problème étant que ça touche le clan du Lièvre, que c'est une affaire sensible depuis qu'ils ont été accusés de corruption. C'est ça. Je veux le faire par une lettre personnelle à un ami, en fait, mais qui se trouve être magistrat. Mais bon, voilà, ce ne sera pas une lettre à un magistrat. Oui, je pense que. À mon avis, c'est ce que nous ayons de plus sûr si nous voulons prévenir la magistrature de façon indirecte. Et vous avez encore le parchemin, Kikyo ? Oui, oui. Vous êtes sûr qu'il n'est pas compromis, ce parchemin ? J'ai vérifié. Il ne semble pas.
Et vous l'avez lu, il y a marqué quelque chose de particulier dedans ? Nous n'arrivons pas à le décoder. Ouais, il est codé, ouais. Mais l'archiviste en question que nous avons contacté nous a dit avoir déjà vu ce type de codage, d'où le fait qu'il ait contacté certains de ses collègues. C'est compliqué. Bien. Je propose que nous évitions d'en parler à d'autres personnes. Oui, nous sommes bien d'accord. Si vous êtes sûr que votre ami, en ayant l'information, n'aura pas de problème, faites-le, Coco. Je suis sûr de rien. Mais c'est peut-être trop dangereux de le lui dire. Il est honnête et je le mettrai peut-être en danger. Il est déjà peut-être aussi très dangereux que nous-mêmes nous l'ayons, car si les personnes à qui vous l'avez montré ont été assassinées, je suppose que... Peut-être que des gens sont sur nos traces. C'est une possibilité. Il était dans votre chambre, Kikyo, quand votre chambre a été fouillée ? Oui. Et il n'a pas été pris. Il n'a pas été volé, oui. C'est curieux. Peut-être c'est pas ça qu'il cherchait. Je me gratte la tête en mode ça me fait mal à la tête de penser à tout ça. Peut-être que en voyageant nous aurons plus de pistes ou une idée nous viendra. Je me dis que si votre clan a des armes ancestrales, je suppose qu'il en a d'ailleurs, vous devriez sans doute faire des recommandations afin qu'elles soient mieux protégées. Si effectivement la fouille de ma chambre ne visait pas le parchemin, il est probable qu'il cherchait sans doute le katana. D'autant que la petite vous avait dit qu'il allait être volé. Qu'est-ce que ça a à voir avec les armes ancestrales grues Probablement rien. C'est des armes ancestrales probablement qu'il cherchait. Pas forcément. Pas forcément. Mais... Non, c'est certaines. Mais il y avait cette... Elle parlait de cette menace qui venait des royaumes spirituels. Et là, nous sommes sur une maladie qui a certains côtés magiques. Il y a cette alliance bizarre. Je ne sais plus quoi en penser. Peut-être que tout est lié, en vérité. Peut-être. Peut-être que nous en apprendrons plus dans le clan du renard. Bien, et allons-y de toute façon. Il n'y a rien de plus à découvrir ici, à moins que vous vouliez y passer encore un peu de temps. Je ne pense pas que ce soit pertinent. Bien, dans ce cas, préparons nos affaires et dirigeons. J'espère que votre mère n'a pas d'ennui avec cette maladie. Je pense que tout le clan, du moins tout l'Empire, a un ennui avec cette maladie. Oui, mais personnellement, je veux dire. J'espère qu'elle, personnellement, elle n'est pas malade. Je ne sais pas quoi dire. Je l'espère aussi, mais... Des fois, il faut mieux s'attendre au pire qu'espérer. Oh, elle est tellement acariâtre que la maladie a peur d'elle. Hein. C'est ce que j'étais en train de penser, mais je voulais pas le formuler. J'ai surtout peur pour ma sœur en l'occurrence, qui est jeune et qui n'est pas bouchie elle. J'ai l'impression que les samouraïs, notamment les femmes. Si elle est. Elle est magistrat. Magistrat. C'est une école de magistrat. C'est une école de bouchie. Hein. Ah oui, oui. Ah, c'est une école de bouchie. Ah oui. Ah oui, oui. Ils ont des techniques de combat pour désarmer les gens. Désarmer et pour immobiliser, ouais. Mais c'est vrai qu'ils ont aussi des techniques de cours, donc c'est vrai que moi j'ai tendance à la considérer comme une école de cours. Les Kakita aussi dans ce cas-là. Non, c'est juste une école qui fait un peu les deux, mais c'est bouché. Oui, parce qu'en plus je crois qu'ils ont une technique pour faire du duel aussi. Oui. En nouvelle voie. De mémoire. Me semble, ouais. En tout cas, c'est bon, vous n'avez plus peur pour votre sœur puisque finalement elle est bouchée. Si, elle est jeune, elle reste jeune. Donc. Pas peur pour ma mère parce que
Parce qu'elle est vieille, donc plus elle est non, chiante. Non, c'est quelqu'un d'expérimenté, tout ça, tout ça. Même Enma veut pas d'elle, donc... Du coup, vous prenez la route ? Oui. C'est moi qui ai bugué ou c'est Obi ? Non, je pense que c'est Obi. Ça a sauté. Oh là là ! Eh oh, hein ? Bon, voilà. La connexion est enrhumée aussi. Qu'est-ce que je voulais dire ? Vous allez traverser le territoire du clan de la grue, en grande partie, pour arriver jusqu'à chez ta maman. Donc le village de ta maman, c'est Rio Gae Mura. Est-ce que je pourrais essayer sur le chemin de me procurer un... Ah non, je crois que je m'étais déjà procuré un doigt de jade, je sais plus. Est-ce que j'avais un bras de jade ou pas ? Perso, je me rappelle pas. Idem. Je crois que j'avais pas pu en avoir. Hein. J'avais commencé les démarches, j'avais pas dû les finir. Parce que je l'ai pas noté en tout cas. Cependant, tu. Comment dire En fait, je le fais valoir au vu de ma condition de. Femme enceinte. Voilà. Bah, c'est. Ce sera plus facile au port en fait. Ouais. Que tu auras plus de marchandises et de. Ah d'accord, bon bah, je ferai ça et au port, truc, pas de problème. Ouais. Ça marche. Partons là-dessus. Ton acheteuse de compagnie, tu l'as laissée chez les Tsume, non, Kakita? Oui, je l'ai laissée chez les Tsume, oui. Juste pour info. Parce que... On sera plus là. On a fouillé ta chambre. Bon, désolé, je me fatigue. Mais dans tous les cas, bah, la route se passe bien. Vous m'entendez ? Oui, oui. Oui, oui. Là, on t'entend plus. Là, ça va marcher, là. Oui. Ah oui. Ouais, et eh ben du coup, vous arrivez en ville. Ça va être compliqué. Oui, tu lags beaucoup. C'est chiant. Ah, je sais, je vais prendre le PC. Du coup, vous arrivez en ville. Et tu vas à la demeure de ta mère, je suppose. Oui. De toute façon, je pense que les gardes doivent me connaître, donc... Oui, bien sûr. Ah bon ? Ça veut dire que tu serais connue dans ta propre ville, alors que tu es la même fille de... de la gouverneur. Alors, première chose, c'est que bah, vous allez remarquer que dans la ville, bah, ça se prépare. Ça se prépare. À la guerre. Ça se prépare ouais. À la guerre, ouais. Ouais, ouais. Y a des troupes en... comment dire, en surplus, on va appeler ça comme ça. Et voilà, il y a plein de marchandises, de et de contingents, etc., etc. Il y a bien tout cri que ça va, quoi, que ça se prépare à la guerre, quoi. Étonnant. Et que les gens sont sur le départ bientôt. Et au niveau maladie, c'est ça a été touché, mais ça va. Il y a un contingent de personnes qui a été malade, mais ils ont été traités, quoi. Ok. La demeure de ta mère n'a pas l'air d'être en deuil ou affectée, quoi. Les gardes ont l'air d'être assez nombreux, comme à l'habitude. C'est pas si pire. C'est ça, c'est pas si pire. Du coup, bah, tu te présentes aux gardes, on vous fait rentrer. Y a une servante qui va te dire que Kita Ikaru, si ma mémoire est bonne. Oui. Sama n'est pas présente, mais qu'elle lui a fait parvenir un message et elle devrait arriver d'ici pas longtemps. Pouvez-vous loger ma cousine et Tsurushi Kikyo-sama, s'il vous plaît ? Oui, bien entendu. On vous fait
On vous fait patienter, là, on vous affecte des chambres, évidemment. Et au bout de quelques temps, arrive, du coup, la fameuse Kakita. On bénéficiera d'un petit peu de temps, du coup, libre ou pas du tout ? Si vous voulez, oui. Oui. Dans ce cas-là, j'aurais juste fait un truc, c'est que je serais passé du côté du port pour me renseigner sur le passage d'une petite fille aveugle ici, savoir si elle est bien passée, qu'elle a bien pris le bateau et que tout se passe bien. Oui. Comment te dire ? Est-ce que ça s'est bien passé ? Non, mais elle a pris le bateau. C'est important. Les autorités grues l'ont mis dans un bateau pour qu'elle parte. D'accord. Ils n'ont pas spécifié en combien de morceaux, par contre. Ils sont pas cruels, quand même. Ah, on parle de grues, on parle pas de lions, voyons. Bon. Même les lions, ils n'avaient pas décapité non plus. Hein. Parce qu'elle était lionne. Mais... oui, bon. Mais bon, dans l'absolu... t'as eu le temps de faire ça, effectivement. Je suppose que les autres, vous vous êtes mis sur votre 31 pour aller... Non, moi, je m'en serais profité, oui, pour me laver, retrouver des affaires de chez moi, quoi. Moi, j'aurais profité pour écrire une lettre à mon époux, quoi. Ok. Ouais, je raconte un peu mes malheurs et tout ça, quoi, et puis voilà. Je dis que voilà. Ok. Qu'il manque, que je passerai dès que je peux le voir. Ouais, bref, voilà. Bah, voilà, la question c'est est-ce que du coup tu vas essayer d'aller le voir parce que a priori les terres Tsurushi sont pas très loin de là où vous allez. Ah bah si on oui si on peut oui. Du coup tu lui indiques que tu vas chez le clan du renard ou pas? Ouais je vois pourquoi je le dirais pas donc oui. Je pense que cette lettre sera interceptée mais bon. C'est mon époux, je lui cache rien. Bon, c'est pas dit qu'ils arrivent à lire ton écriture. Hein. Ah, ça c'est probable. Oui, donc on est potentiellement poursuivi par des assassins, mais toi t'écris dans une lettre où c'est qu'on va. Intéressant. Ah, elle est écrite à mon époux, pas aux assassins. Ah, oui. Plus rien s'ils ont se sont procuré la lettre au passage. Hein, c'est pas faux. C'était une correspondance intime, ils n'avaient pas à la lire. C'est déshonorant de le faire. Hein. Un peu de discrétion, quoi, merde. Non, mais quel déshonorant. Ah, c'est sûr que assassiner des gens, c'est pas déshonorant, hein, de base. Ah, pas en lisant leur courrier, il y a des choses comme ça, ça se fait pas. Les lettres d'amour, c'est privé. Et puis quand les outils tombent dans les escaliers, c'est pas un assassinat, c'est un accident d'amour. Oui, bah oui. Bah du coup, ta mère va être là, hein. On va pas retenir le suspense. Hein. Elle semble fatiguée. C'est rare. Et elle est en armure. Oui, à la cour, carrément. Ça, c'est spécial. Mère. Au vu de votre tenue, je suppose que les prépas, vous allez prendre part à la guerre. En effet. Je pars dans les prochains jours. Pour le sud. Bon. Vous allez également à Shiro Miyamoto. En effet. Je soupire. Bah, après, si c'est un ordre impérial... Attente. Un plaisir de vous revoir. J'apprécie de vous revoir également, mais les circonstances font que, hélas, je ne pourrai profiter grandement de votre conversation. Je comprends bien. Cette guerre se passe pour le bien. Est-ce que des bateaux descendent au sud, mer? Il y en a. Nous essayons de ravitailler la famille des Doji. Serait-il possible d'avoir des places sur un qui descendrait? C'est possible, mais pour quelle destination? Nous aimerions nous rendre à Kitsune. Ça me semble être une mauvaise idée. Il se passe quelque chose là-bas?
Disons que c'est derrière la ligne de front. Il y a déjà des combats contre le clan du crabe. Les combats sont assez calmes, mais ce n'est pas dit que le clan du crabe apprécie, enfin, ce qu'il en reste, apprécie de que des samouraïs se faufilent en travers les lignes pour aller rendre une visite de courtoisie. Mais dans tous les cas, si vous voulez tenter l'opération, ça reste faisable, mais... ils vous débarqueront sur les terres des Doji, et de là, vous pourrez convaincre les autorités des Doji de vous laisser passer et passer la ligne. Mais à moins d'être des sapeurs des Doji, je doute des chances de votre succès. Pas tout à fait honnête. J'en conviens. Aurions-nous mieux fait de prendre un autre chemin ? Ça paraissait pourtant le plus sûr. Une autre possibilité est de trouver un capitaine de navire capable de vous amener directement sur la côte crabe. Et d'ainsi d'ignorer la ligne de front, mais vous tomberez sur des terres... Ah, et en ce moment, on ne sait pas ce que cela signifie exactement. Vous voyez ce que je veux. Je regarde mes deux camarades, savoir si eux ont une idée différente. Il y a une servante qui vient discuter et glisser un mot à l'oreille de ta mère. Personnellement, je n'ai jamais été dans les terres du sud, je ne les connais pas trop. Ah bah si, tu les connais. Comme tous. Si tu les connais, ouais. Il y a ton clan là-bas. Ouais, mais pas forcément les clans du renard, c'est ça que je veux dire, tu vois quoi. Ouais, bah, le clan du renard, il est en face du tien, hein, donc... Ah bah ok, bah du coup, y a un autre moyen de... Enfin, je vois un autre moyen de passer, ou... Bah non, enfin, ce qu'elle a dit, c'est vrai, quoi. A priori, alors, techniquement, toi, et connaissant un peu le terrain, tu pourrais essayer de te débrouiller en rentrant dans ton clan... de rejoindre Kitsune Mori et donc du coup le clan du renard. Tu penses qu'on en serait capable, mais avec tes deux collègues, c'est compliqué. Ah, de tout de suite qu'on est des greluches, hein. C'est le cas. Bah, vous êtes pas trop habitué à la campagne, quoi. Ouais, bon, c'est pas totalement faux. Ah, je dis pas, hein, y aura match, hein, mais voilà. C'est, autant Ashugenja, elle peut avoir des sorts qui vont bien et qui font le boulot, autant l'artiste, je pense que bon. L'artiste dans la nature, bon. Il fait froid, comment on se réchauffe ? Certes, certes. Est-ce que j'arrive à lire sur les lèvres de ce que dit la servante ? C'est pas cool. Y a quelqu'un à l'entrée qui voudrait lui. Mère, nous allons pas vous déranger plus longtemps. Vous êtes bien occupé. Si vous avez quelques instants à l'heure du repas. Non, restez. Je suis ravi de voir ma fille avant de partir à la guerre. Et du coup, elle demande à faire rentrer le. la personne. Okay. Et donc du coup, c'est un vieux monsieur, qui marche avec une canne, et qui se fait appeler Doji Mac. Ça me dit rien, je suppose. Non. Okay. Il est, comment dire. Il se pose là, quoi. Il a, même s'il est très vieux, il a un certain... on sent qu'il a un certain pouvoir, quoi, un certain statut. il agit de façon... Enfin, il bouge de façon assez lente et délicate. Il s'assoit, il salue, évidemment, tout le monde. Ekita Yarusama, permettez-moi de me présenter. Donc, je suis... Doji Makio, Sam Makio, sensei de l'école des magistrats Doji.
Un regard inquiet vers Yoaki. Moi, j'ai le visage fermé, en l'occurrence. Et si je viens ici, c'est que je souhaiterais vous parler de votre fille. Et qui t'a... Qui est, Sama. J'ai des raisons de penser qu'elle a été enlevée. Elle n'a pas réussi à me communiquer son rapport, ses deux derniers rapports. Et je suppute que quelque chose lui est arrivé. Avec toute cette effervescence, il est compliqué pour le clan de la grue de mobiliser des recherches. Et j'avais espoir, en vous contactant, que vous puissiez ça fait rechercher. Prendre ça à bras-le-corps. Je puis m'exprimer ainsi. Bon, la mère... derrière ses yeux, il y a... Il y a une tempête forceuse 10, hein. Moi, je réfléchis aussi à la menace qu'avait portée le daimyo Tsume sur ma sœur également. Je vais me lever. Doji-sama, allez-vous rester en ville aujourd'hui? Faut-il vous faire préparer une chambre? Oh, ça serait. C'est gentil de votre part. Je ne souhaite pas m'imposer. Une auberge fera l'affaire, vous savez. Vous êtes sensei d'une école. Il est normal que nous vous logions. Je vais confier la tâche à une de nos servantes. Ouais, pas de problème. Hein. Oui, du moins. Grosso modo, je vais. Je vais utiliser mes connaissances un peu de gouvernement pour laisser ma mère souffler, on va dire. Mmh. Et de toute façon, je regarde si elle veut se retirer, si je ferai diversion, si elle veut se retirer. Oui, elle veut. Ouais. Je pense qu'elle va vouloir discuter avec toi directement et les autres aussi mais éventuellement mais... et du coup il y a son bras droit court là qui agit aussi et qui fait passer la pilule quoi. Quand je vois que la Sakaro elle s'en occupe je vais raccompagner ma mère tout simplement à sa chambre le temps qu'elle digère on va dire. Tu sens qu'elle elle va répéter qu'elle n'a pas le temps de gérer ça. Elle est un peu pas en stress, mais elle réfléchit et elle trouve pas de possibilité pour gérer ça quoi. Mère, connaissiez-vous la teneur de la mission de ma sœur? Du tout. Elle ne me l'a pas confié non plus, en l'occurrence. Sensei doit... Oui. Peut-être acceptera-t-il de nous en parler si nous nous chargeons de la retrouver. Je ne vais pas laisser ma cousine dans une situation délicate. Et de toute manière, notre voyage s'annonçant beaucoup plus complexe que prévu, je ne suis pas sûre d'être en état pour y aller. Je ne sais personnellement pas comment réagir avec votre état, mais d'habitude, on prend du repos. On en a le temps. Je n'ai pas eu le temps de vous faire un rapport sur les derniers événements que nous avons traversés, mais si vous le souhaitez, je peux me charger de cela. De toute façon, je suis déjà en danger pour un certain nombre de choses, donc ça ne changera pas. Très bien. Pensez-vous que votre cousine et cette guêpe soient des alliés intéressants? Oh, nous sommes dans le même bateau depuis longtemps et j'ai toute confiance en L2. Très bien. Ainsi qu'en nos deux Yojimbo. J'aurais besoin de vous faire, quoi qu'il arrive, le rapport sur tout ce qui s'est passé dans les terres de Tsume et dans les terres Lyon. Très bien. Suivez-moi, faisons ça le plus vite possible.
Alors, tu veux le faire RP ou... Non, il n'y a pas besoin de le faire RP, mais je vais lui cacher ce que j'ai appris sur mon frère. Ça, il n'y a pas photo. Ok. Par contre, je vais lui dire qu'effectivement, le Daimyo Tsume utilise du poivre Gaijin. Qu'on a quand même fait en sorte d'aider le lion contre une armée Ronin qui utilisait du poivre Gaijin. L'état du clan du lion par rapport au Matsu et aux Akodo. Tu vois, voilà. Un peu tout. J'entre dans les détails, hein, qu'il y a une enquête aussi, du moins qu'il y a une magistrate Mia qui enquête sur certaines choses qui sont passées dans les terres de Tsume. Et puis voilà. Bah, elle va te dire que l'usage de du poivre Gaijin a été légalisé, entre guillemets, par le nouvel empereur. Ouais. Étrange. Ce commandant Ronin disait bien la vérité par rapport à ça. Il n'y a rien à reprocher, il agissait également. Oui, du moins, il a utilisé du poivre Gaijin avant que ça soit légalisé, en l'occurrence. Oui, mais du coup, ça, politiquement, ça affaiblit un peu la charge quand même, mais ouais. C'est pas non plus... Il en sortirait sans problème, même si l'enquête de la magistrature n'est pas complètement sans problème, mais la loi. Bon. Mais il semblerait que cette règle soit un peu l'exception pour combattre les dragons, pour la prise de Shiro Muromoto. Et donc il sera complètement blanchi puisqu'il sait l'utiliser et qu'ils ont besoin de lui. Je lui dirais de faire attention hein, au Daimyo Tsume. Non, c'est un individu qu'elle connaît bien. De toute façon, je lui confie que potentiellement il y a des personnes sur nos traces pour par rapport au fait qu'on a rencontré la magistrate et qu'on enquête dessus. Je vais pas lui parler du clan du lièvre par contre, si mes camarades veulent lui en parler. Moi non. Je vais juste lui demander si elle connaît les deux Daidoji et du moins les personnes qui ont été nommées. Quoi. Mis à part le Daimyo Yasuki, parce que... Daidoji, Dajan, elle en a entendu parler. En mal, plutôt. Quelqu'un d'assez peu obéissant au clan. Et il fait un peu sa vie, quoi. Donc, ouais. Et c'est quelqu'un qui a... beaucoup d'alliés, même dans différents clans en fait. Il a réussi, pas forcément des alliés politiques, mais un peu plus. Alliés personnels. Ouais, c'est une sorte de. A priori, il passe pour être quelqu'un d'assez charismatique et d'avoir réussi à se faire des liens interclans. Assez fort, quoi. Du coup, t'as le bras long, quoi. Ouais. Je lui dirais qu'a priori, il trempe peut-être dans une salle à faire et potentiellement en rapport avec l'outre-monde, donc... Après, la nana, enfin, l'autre des Doji, elle le connaît pas. Ouais. Donc tu dis que tu parles pas du Yasuki, t'as dit. Si, mais disons que je lui dis qu'il y a du bras. Je lui dirais que du bras... Non, j'ai pas besoin de lui poser. Si, qu'est-ce qu'elle sait du Daimyo Yasuki, même si je pense que. Elle en sait sûrement plus que moi, mais. Ouais, une crapule, quoi. Ouais, une crapule Yasuki, quoi. Par contre, le Lizawa. Oui. Elle va vous dire que. Elle a entendu parler qu'il est recherché par le clan du Phoenix. Ah! J'aurais disparu. Ouais. Je vais conseiller à ma mère de toujours avoir du jade sur elle. Ça risque de la surprendre un peu, mais bon. Et que s'il y en a ici, du moins, ça serait peut-être intéressant qu'on en ait toutes les trois un doigt. Bon, elle peut trouver ça au port. Hein. Il n'y a pas trop de soucis. Qu'est-ce que je voulais aussi lui dire? Vous voulez parler de ce qui s'est passé avec les lièvres ou pas? Non, mais je vous demanderai
C'est une doji. Doji Sama, connaissez-vous Kakita. Kakita Sama. Connaissez-vous Bayushi Tomaru? Ou avez-vous entendu parler de, éventuellement de ce samouraï? C'est qui? C'est censé être qui déjà? Ah bah c'est le général du clan du Scorpion qui a attaqué le clan du Lièvre. Bah elle va te dire que oui, c'est un général Scorpion assez assez connu. Enfin, c'était un général Scorpion. Il n'a pas participé au coup d'État. Donc du moins en tout cas pas de façon visible. Il n'a pas été tué pendant cette période-là et il n'a pas été vu. Donc on suspecte qu'il n'a pas participé. Ah, peut-être est-il dans ces terres, enfin dans les anciennes terres du clan du Scorpion. Peut-être. Mais voilà. Il passe pour être assez brutal, hein, comme général. Vous l'avez. Voilà. C'est à peu près tout ce qu'elle peut te dire sur lui. Hein. Ok, ben je la remercie pour les informations, c'est déjà pas mal. Bon, et puis je vais suivre le conseil de Kikyu et lui dire que c'est bien que les armes ancestrales du clan soient gardées sous surveillance. S'il peut utiliser son poids politique pour faire remonter l'info. De toute manière, elles vont sans doute être utilisées dans la guerre à venir. Il y a des chances. Et ensuite, bah, je vais la laisser tranquille et puis je vais aller voir le. On va aller, du moins, je vais aller me rendre auprès du sensei de l'école des enquêteurs. Ouais. La personne pour dire... enquêter sur la disparition d'un membre de sa propre école. Oui, la mais tristesse, lui, quand même. Lui, il est vieux. Il a le temps. Juste pour rire, vous avez combien en enquête, vous? Et un. Je crois que j'ai plus, moi. Moi, j'ai 3. Ah, bien. J'ai un aussi, histoire de relancer les... Non, mais c'est... Justement, il a envoyé une enquêtrice, elle s'est fait avoir. Peut-être qu'il faut jouer sur l'entropie du truc pour... Oui, bah oui, on va envoyer quelqu'un qui a 0 en enquête, qui a des gens qui sont nazes. Ils sont pas nazes, ils sont différents. Tu me diras, on a peut-être... Moi, mon Yojimbo, il a peut-être un peu d'enquête, tu me diras. Non, il y a l'effet de surprise. On t'imaginerait jamais enquêter, donc du coup... Bah oui, il y a la chance du débutant aussi. Ouais, il y a la chance du débutant. Enfin, on va espérer, hein, parce que... Faudra bien ça. De toute façon, rendez-vous bien compte que le clan de la grue a autre chose à foutre qu'aller chercher une gamine de 13 ans qui s'est fait avoir, quoi. Ouais. Donc ça c'est sûr. Non mais de toute façon je vais on va aller voir le sensei, du moins je vais aller voir le sensei, alors je sais pas si vous m'accompagnez. Si ouais, je suis curieux de savoir sur quoi l'enquêter. Déjà pour comment Doji Sama. Oui. Veuillez excuser excusez ma mère, la nouvelle était un peu difficile. Oui, y a rien à excuser, je comprends tout à fait. Sachez que si une chose était arrivée à une chose grave était arrivée à votre sœur, je rachèterais mon honneur. Avez-vous connu part moi, mon grand-père? C'est facile de dire ça quand on a 80 ans. Oui, c'est vrai. Avez-vous connu mon grand-père? Oui. Oui, un grand magistrat. Il m'a tout. C'est pour ça que j'ai voulu personnellement comment dire, superviser l'enseignement de votre sœur. Je comprends. Vous avez dit que vous n'aviez pas les ressources pour enquêter sur sa disparition, c'est bien ça? En effet. Avec cette maladie, avec les... les différents empereurs, les magistrats du clan Doji sont, enfin de la famille Doji sont très occupés. Pouvez-vous, est-il possible de savoir sur quoi enquêtait ma sœur?
avoir accès à ces rapports. C'est tout à fait possible. Elle avait pour mission de s'infiltrer au sein du clan du Scorpion. Je m'étouffe dans mon thé. Avant ou après? C'est exactement ce que je vais dire. Eh ben avant. Quelques semaines avant, en fait. Et elle était très jeune. Ouais, c'est... En effet. Peut-être dans ces cas-là, nous devrions retrouver son époux. Époux, mais elle n'a pas d'époux. Bah, une enfant. Elle s'est infiltrée en samouraï ou... Oui. Et d'où venait son dernier rapport? Ryoko Waritoshi. Quelque chose. Oui, oui, oui. La cité du plaisir. Ah oui. La ville du mensonge. Oui, la cité du mensonge. C'est... Oui, la cité du plaisir, c'est la capitale. Bon, c'est une ville lièvre à la base. Nous pourrions peut-être nous y rendre pour enquêter. Arrive. Il faut bien le faire. C'est de... Oui. Connaissez du moins. Doji Sama, savez-vous dans quel état est Ryoko Waritoshi depuis le coup d'état? La ville a été prise par le clan du lion. Mais j'imagine assez mal là-bas. De ce que j'ai compris, il y a eu des grosses tensions, mais ils ont réussi à ne pas s'y intéresser la ville et l'encercler. Et afin qu'elle ne cause pas de désordre à l'extérieur, mais à l'intérieur, les gens font ce qu'ils veulent. Et le dernier rapport qu'elle a envoyé, c'était avant que les lions prennent la ville ou Oui. C'était avant la destruction. Ah oui, c'est largement avant. Donc depuis la destruction du clan du Scorpion, elle n'a plus donné de nouvelles. En effet. Elle s'est introduite en changeant d'identité ou... Oui, elle était sur place sous une fausse identité, mais... Quelle était cette identité? Bayushi... quelque chose. On vous aurez tout sur les rapports. Et pourquoi devait-elle s'infiltrer dans le clan du Scorpion? Vous soupçonniez quelque chose en particulier? Elle s'intéressait à une histoire de fausse peinture. Oh. De fausse peinture. De fausse œuvre d'art. Des œuvres d'art de Shiba Ayo. Oui, entre autres. Mais il s'avère que elle avait également envie de réaliser un peu le même exploit qu'avait fait son grand-père. Et un peu jeune tout de même. Oh, elle était douée. Enfin, elle est douée. Il va parler au présent plutôt. Elle est douée dans cette affaire. Elle avait pour but de s'infiltrer dans le clan du Scorpion et de comment dire démarrer l'enquête sur les œuvres d'art volées et elle espérait avoir un point de vue un peu extérieur car elle soupçonnait les membres les membres de notre clan sont probablement mêlés à cette histoire. Vous pouvez enlever le probablement, Logisam. J'ai déjà transmis certaines informations au sensei de l'école d'artistes Kakita qui m'a dit qu'il devait se charger de cela. Oui, mais je pense que s'il y a bien quelqu'un qui aimait là cette affaire, c'est bien. Mais je ne peux en être certain et... Comment dire? Il serait de... Pas le venu de ma part de...
faire des accusations. En preuve. Effectivement. J'aurais sûrement besoin de retrouver une personne avant de pouvoir peut-être retrouver ma sœur, Doji Sama. Qui dit ça? Doji Rin Sama. Avez-vous essayé de la contacter? Non, pas encore. Mais je vais le faire de ce pas. Mais ne sachant pas exactement où elle est... Je me suis dit que peut-être vous auriez des contacts en ville qui pourraient se renseigner. Je ne sais pas si vous avez un certain réseau. Moi, je n'ai pas. Très probablement, mais je peux. Mais enfin, je n'aurai pas l'information avant quelques semaines, probablement, enfin, jours, probablement. Ouais. Comme moi, si j'envoie un courrier maintenant. Si nous enquêtons pour retrouver ma sœur, avez-vous des contacts à nous? Sur qui nous pourrions nous appuyer? Ne faites confiance à personne. Vous n'avez donc pas de réseau qui peut être utile, du moins, en qui vous avez toute confiance? Non, pas en territoire corpion en tout cas. Essayez de retrouver Doji Rin Sama. Il est fort probable qu'elle ait des informations sur ce qu'enquêtait ma sœur. Si jamais nous donnons plus de nouvelles, nous non plus, au moins vous aurez une piste. Très bien. Je m'incline et je prends. Je suis ma cousine. Restez pas. Bon, je pense que comme tu commences à me connaître, tu dois te rendre compte que je suis rarement énervé, mais là je suis clairement hors de moi. Ah, j'ai enfin ébranlé là, Kekita Yoakesama. C'est ça. La forteresse. Une grue. Du coup, qu'est-ce que vous, vous allez faire? Moi, j'aimerais nos dojo. Ok. Je vais essayer de profiter de notre. Pour accéder à une bibliothèque. T'as la bibliothèque familiale? Oui, c'est très bien. Et puis, je vais essayer de faire des recherches sur cette cité. Pour moins savoir à quoi elle ressemble, peut-être des rapports, des gens qui y sont allés. Pour cette cité? Oui. Oui. Ok. Et en fait, il y a un autre truc qu'on a oublié de gérer quand même. C'est que j'avais lancé des pistes pour essayer de parler à des gens qui avaient rencontré le père de Mayo Jimbo, Shiba Ayo. Ouais. Et de le gérer. Ah! C'est vrai, on a zappé ça. Je t'en ferai un truc hors partie, ça te va? Ça marche. Je t'enverrai les infos que t'as obtenues et tout. Toujours à chercher. Enfin, hors jeu, putain. Tu veux venir t'entraîner au Boken, Kikyo? Non, mais pour le coup, elle sera pas restée. Enfin, ta remarque de la fin dernière, elle ne sera pas restée être morte, en fait. Du coup, elle va venir avec toi pour essayer de commencer à comprendre comment ça marche un katana, en fait, tu vois, quoi. Je suppose qu'il n'y a pas un sensei au dojo. Il n'y a personne. Ils doivent tous être en train de se préparer pour la guerre. Non. Ouais, tu peux avoir le vieux. Tu peux avoir le vieux. Ouais, non, si j'ai le vieux en face de moi, je vais casser la gueule. Il y a le Yojimbo, hein. Il y a le Yojimbo qui peut vous servir de... mettre d'armes. De frappe. Clairement, je vais dire un des Yojimbo que j'ai besoin de me défouler. Il hésite, il comprend pas trop ce que ça implique. Il regarde où tu vas, en fait, si tu vas au dojo ou dans ta chambre. Mais, Non, je vais au dojo. Il a l'air déçu, du coup. Non, plutôt rassuré. Oui, j'ai choisi mon Yojimbo justement pour qu'il ne puisse, qu'il ait une grande résistance à ce genre de choses. C'est pas pour moi, c'est pour ma cousine. Oui, on la connaît. Ouais. C'est pour les deux. Dites-moi ce que vous faites. Je vais faire des recherches sur la cité, comme je t'ai dit.
Ouais, l'entraînement, vous voulez que je fasse des jets ou... Non, 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 non. De toute façon, j'aime battre en Aijutsu, mais en Ken, je suis pas du tout doué, donc... Ah bah, elle peut apprendre le Aijutsu aussi, si tu veux. Ah ouais, non, mais là, j'ai plutôt envie de taper sur quelque chose, hein, donc... Même le tu me diras, j'ai un en Kenjutsu, j'ai quand même les bases. Oui. Bah, fais-moi un jet de d'intelligence enquête pour lire les ouvrages sur la science. Tu vas constater que dans la bibliothèque familiale, il y a beaucoup de traités militaires. ça marche et, aussi, hein, on peut aussi. Trouver des infos là-dessus. Enfin, dans les documents récents, c'est ça plutôt. 23. Ok, bah, tu vas trouver un récit de voyage à Yoko Haritoshi. Qui a été écrit par le grand-père. Oh, oh, collector. Et alors, du coup, il s'est encanaillé, le vieux ? Bah, il va décrire la ville. Alors, la ville est connue pour sous le nom de la ville du vent mensonge ou des murs verts. c'est une ville où règne le crime, hein, clairement. Les samouraïs n'y ont qu'une... comment dire, ne contrôle qu'une partie, que la partie émergée de l'iceberg, quoi, et en fait, tout se fait en sous-main. Il va te parler, tu vas lire beaucoup de choses sur les soldats du feu, qui sont en gros des sapeurs-pompiers dans les quartiers populaires, mais aussi des gangs, en fait, et que chaque gang a... à ses codes, etc. Ils n'ont pas le droit de porter d'armes. Je sais pas, des samouraïs. Et donc, ils se battent plutôt à main nue et ils conseillent à tout samouraï qui veut obtenir le respect de ces gens-là alors de se battre à main nue contre eux et pas avec des armes. Voilà, il va parler du quartier des tanneurs, qui est probablement le quartier le plus malfamé de tout l'Empire. Où il doit y avoir des milliers de formes de corruption différentes. T'es sûr que ça va? Ouais, c'est un vieux rhume que j'ai eu la semaine dernière qui passe pas, mais bon. Enfin, j'arrive à je respire bien, mais c'est la gorge qui est un peu. Mais bon. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? La magistrature d'Emeraude est totalement inefficiente là-bas. Parce que, en fait, selon le magistrat, ça a été plus ou moins efficace. Mais voilà, parce qu'il y a des magistrats qui sont restés 20 ans et qui n'ont rien vu, rien compris à la ville, et etc. Et donc, du coup, les archives de la magistrature sont. Un vivier intéressant, mais dans un bordel monstrueux. Voilà. Et que dire de plus? Il y a la cité des plaisirs, enfin l'île des plaisirs, qui est une île sur le fleuve qui est dans la ville. C'est l'endroit pour le meilleur endroit pour négocier. Car aucun samouraï n'est autorisé à porter d'armes sur l'île. Et donc les négociations un peu houleuses peuvent avoir lieu là parce que ils savent que ça ne dégénérera pas en mort violente. Voilà, c'est à peu près tout ce que tu vas avoir, je pense. Un endroit charmant. Oui. Et enfin, évidemment, l'île en question, c'est aussi l'endroit où il y a tous les bordels et tous les... Oui, ça j'ai bien. Voilà. Et le trafic d'opium, je suppose. Oui. Bon, y a tout en tout genre. Hein. Le trafic d'opium, c'est limite le moins grave. Le texte que tu lis n'en parle pas beaucoup, en tout cas, le trafic d'opium. Il le cite une fois ou deux, mais voilà. Il avait l'air d'y aller pourquoi? C'est noté ou pas du tout? Pas du tout. Au vu de... L'année de l'écriture, ça a été écrit quand il était assez vieux. Vers la fin de sa
arrière. Il est mort comment, d'ailleurs ? Il fessait beaucoup. Ah. C'est ce qu'on avait décidé, hein. Oui, oui, il a fessé beaucoup, ouais. Bah, il a fessé beaucoup à cause de ton père, je crois. Ouh. À cause de ton père et de notre oncle. Ah. Ça, ça fait cher coup. Et pour ma info, ma mère le déteste, hein, donc... Je suis pas sûr que le sensei Doji reparte vivant de la ville, en fait. Tu sais que ta sœur est grande fan, par contre. Elle l'a pas connue, oui. Évidemment, mais... Oui, je sais qu'elle l'adore. Oui, la crise d'ado, tu sais. Bah, c'est que, vu ta maman, la crise d'ado, c'est un peu, forcément un peu violent. Hein. Oui. Il ne peut pas en être autrement. Bon, moi, j'ai choisi plutôt les plaisirs, elle a choisi de la faire chier autrement. Qu'est-ce que vous voulez faire d'autre, du coup? Est-ce que dans le récit de ce voyage, justement, il avait l'air accompagné de quelqu'un? Non. Même pas d'un serviteur? Mais en fait, c'est même pas un récit de voyage, c'est une description, mais t'as l'impression qu'il se base sur ses souvenirs, en fait. Pas forcément, il les a pas écrits sur place, quoi, tu vois ce que je veux dire? Oui, mais je veux dire, il aurait peut-être fait mention d'un serviteur, de quelque chose. Non, c'est beaucoup trop... C'est beaucoup trop formel comme présentation. D'accord. Tu vois que c'est beaucoup. Ouais, c'est limite un guide Michelin que tu lis, quoi. Il a rien mis de personnel, en fait, dedans. D'accord. Bah, dans ce cas-là, je vais me renseigner ensuite sur cet homme le plus discrètement possible pour pas me faire choper par Tati. auprès des serviteurs, surtout, pour savoir s'il avait un serviteur. Alors, il était suivi par quelqu'un, en fait, parce que comme c'est très souvent le cas chez les dogis, hein. Mais bon, il est peut-être mort parce que son maître est mort, je sais pas. Il gérait pas cette province, hein, de mémoire. Hein. Oui, mais pas. Parce que c'est une province Kakita, je suis pas sûr que les serviteurs que t'es ici, il les connus. Hein. Ah. Ta mère a pris ses fonctions après, en fait. En fait, ma mère a pris le nom de son sensei, donc... C'est pour ça qu'en fait, il s'appelait Doji, il s'appelait pas Kakita. Ah, bah, chercher, ça sert à rien. Si tu cherches quelqu'un qui a connu le grand-père, t'as le sensei. Hein. T'as le sensei, oui. Bah, du coup, je vais essayer avec ça. Essaye peut-être aussi de récupérer un maximum d'informations sur Ryoko Owari, parce que... Komori Kokoe-sama, quoi puis-je vous aider? J'aurais... Question. Le grand-père de Yuake-sama semble s'être rendu dans cette cité où sa sœur a disparu. Je voulais savoir s'il est rendu seul ou s'il était accompagné. Techniquement, c'est aussi ton grand-père. Hein. Ah oui, tiens, c'est vrai. mon grand-père, alors j'aurais dit. Oui, non. Alors, j'ai plus le nom du grand-père, hein, si tu l'as sous les yeux. Attends, je regarde dans les contacts, qu'est-ce qu'on l'avait mis. Dojiryu. Ah putain, je l'ai écrit où ce truc. Je regarde sur Discord, attends, bouge pas. Enfin, sinon, je dois l'avoir sur le schéma que j'ai fait de votre famille. Mais... Merde, en plus, j'ai pas le. J'ai pas le comment ça s'appelle le test roll steam d'ouvert et attends, j'ai regardé sur mon Discord à moi si je l'ai noté. Doji Fujima, ouais, ça me dit un truc, ouais, c'est ça, Fujima. Donc Doji Fujima Sama était quelqu'un de très doué en son magistrat. Il a beaucoup travaillé à Ryoko Baritoshi dans sa jeunesse, mais il a toujours travaillé seul. Et pour être honnête, il est beaucoup de gens le pensaient. Et puis un jour, il est réapparu. Et il est devenu sensei de l'école, et a même il avait même commencé à écrire un traité pour une nouvelle technique. Malheureusement, ces histoires familiales l'ont empêché de
développé cette technique-là. Mais il a toujours agi seul et dans le plus grand secret. Qui ne va pas faciliter les recherches. Mais vous, d'où le connaissiez-vous? Quand il a été... Après son énorme succès, il est devenu sensei. Et à l'époque où moi je suis rentré à l'école. D'accord. Et oui, il était votre sensei, mais... Avez-vous une relation particulière avec lui? Étiez-vous particulièrement proche, je veux dire? Comment dire je pense que vers la fin, nous étions amis, mais au début, je n'étais qu'un simple étudiant, comme beaucoup d'autres. Pour vous aider, en tout cas. C'est un des professeurs qui m'a le plus marqué, en tout cas. J'ai vécu dans cette cité, je suppose qu'il y a deux, quoi. Et peut-être... Si elle était sur ses traces, a-t-elle pu remettre son nez dans certaines affaires qui... Oh, je doute qu'elle s'intéresse, qu'elle s'intéressait à cela, mais... Mais peut-être. Comment était-elle, ma douée, je l'ai bien compris, mais... Au niveau de son caractère, de ses aspirations, où Un peu comme tu parles de la disparue. C'est un peu son grand-père tout craché. Hein. Très têtu, très direct, très décidé à très confiant de sa valeur. Alors espérons que si elle ressemble autant à son grand-père, elle a survécu. Je l'espère aussi. Je prie tous les jours à cette... éventualité. Être un peu surprise que votre clan les laissait partir jeune pour une telle mission. Pour être tout à fait honnête, je lui ai déconseillé de le faire, mais comme elle ne visait pas à enquêter spécialement sur le clan du scorpion, mais juste utiliser ce biais-là pour comment dire. Diminuer la son lien avec le clan de la grue. Ensuite, était trop plus compliqué. Oui, mais en tel endroit, tout peut arriver. Pardon ? Pour une, à un tel endroit, tout peut arriver, surtout pour une de 13 ans. Oui, enfin, c'est pas non plus. L'enfer hein, sur Terre, hein. Ça reste une ville qui certes a des défauts, mais... L'enfer, non, ce n'est pas ce que je voulais dire. C'est pas vraiment un endroit pour une enfant de 13 ans. Non mais ce n'était plus une enfant de 13 ans, c'était une samouraï. Elle avait plus que l'an de la grue, bah oui. Ah, c'est ça que j'avais pas compris. À 13 ans? Bah elle l'a eu tôt. Ouais, elle l'a eu vachement tôt quand même. C'était sa première mission, hein, donc. Ouais, non, mais du coup, c'est logique qu'il ait laissé partir. Je ne comprenais pas pourquoi ils avaient laissé partir une enfant, mais si elle était samouraï, bah, elle était samouraï. Bah oui. Est-ce que tu as d'autres questions pour lui? Allô? Non, non. J'ai dit non. Non, j'avais pas entendu, c'est pour ça. Ok. Tsurushi, t'as quelque chose à faire? Écoute, les histoires de famille, ça la branche, parce que du coup, ça parle beaucoup famille, donc ça lui... Du coup, là, elle aura écouté, attentivement, parce que du coup, ça peut être intéressant d'aller là-bas. Elle connaît pas la ville non plus, donc... voilà, mais elle a pas trop de questions à poser. Ton mari la connaît bien, probablement. Oui, mais pour ça, il faut que je vois avec mon mari. C'est sur la route, hein, en même temps. Mais pauvre, ouais, bah oui. Pas tout à fait. Pas tout à fait, mais bon... La question, c'est vous voulez vous mettre en route quand, comment Alors déjà, il me faut la carte de Rokugan. Ouais, il faut un peu rebrousser chemin. Hein. Parce que pour aller à Ryoko Waritoshi, le plus simple, c'est de passer par le Lion. Sinon, c'est de remonter le fleuve, oui, non? Mais est-ce que sur place, je peux essayer de trouver un messager possible au clan du renard, pour le clan du renard? Alors, ça pourrait être un marchand qui pourrait passer sans être ennuyé, ça pourrait être, je sais pas, un milliard,
Non, même les Mia pourront pas passer. Que... Oui. J'essaie de trouver quelqu'un. De toute façon, je comptais aussi en parler à ma mère, donc si elle pouvait envoyer un message pour que quelqu'un se rende sur place ou prévienne le clan, du moins le clan du renard qui pouvait être en danger, ce genre de choses. Donc, Ryoko Horitoshi, c'est la ville la plus à gauche. Vers le milieu de la dernière image que je vous ai envoyée, sur la gauche de Yuma, là, de la province de Yuma. Et donc, vous avez où vous êtes. Donc potentiellement, oui, vous pouvez prendre le bateau pour remonter le fleuve, passer par le lac et du coup arriver. Parce que. Parce que sinon, il faut remonter jusqu'à la passe qui est dans le clan de la licorne pour redescendre, quoi. Ouais. Le bateau, c'est bien. Parce que le bateau, c'est le... Du moins, techniquement, le bateau, c'est le plus simple. Après, est-ce que ça sera sécurisé C'est surtout que techniquement, est-ce que je peux me permettre de faire autrement hein bah, alors, à savoir que... Alors, il faut passer par le bateau qui passe par le... qui fait la frontière entre le lion et le scorpion, hein. Parce que si vous passez par le bateau, par la rivière plus bas, qui passe par la ville, là, vous allez passer par la ligne de front entre ouais. entre crabe et grue, forcément. Et même, vous allez être derrière les forces crabes. Ouais, c'est le bordel. Et oui. C'est le bordel d'aller à Ryoko Horitoshi. Bah, vous savez que de la Biden Pass. Bah, elle doit être contrôlée par le lion, je pense. Oui. Complètement. Et en fait, bah, vous savez que de la Biden Pass jusqu'au tout ce qui est au nord du clan, du scorpion, a été contrôlé et contrôlé par le lion. Sachant que ça a été d'abord pris par la licorne, mais que la licorne s'est retirée pour aller se battre contre les Miromoto. Voilà, donc a priori, imaginez que les lions et les crabes se font face à peu près au sud de la carte, quoi. La partie la plus basse, quoi, de la carte, quoi, qui est visible chez vous. Je tape dessus et qui nous laisse passer. Et si on passe par le clan de la guêpe, et après qu'on prend genre une caravane ou quelque chose comme ça. On sera en terre lion, non ? Du moins, on sera en terre lion. On sera en terre dirigé par les lions, quoi. En fait, pas tant que ça, parce que vous allez. Le clan de la guêpe est quand même derrière le clan du crabe. Donc, en fait, si vous arrivez. Autant aller au clan de la guêpe de là où vous êtes, c'est faisable. Sans trop de difficultés probablement, mais vous n'avez pas d'infos, mais voilà. Ça reste a priori faisable, mais... voilà, je vous le mets là. Mais du coup, vous allez arriver derrière les crabes. Et donc, parce quand vous allez remonter... Le clan de la guêpe, il a TS Enzan, c'est ça ? Oui. Donc si on passe par le clan de la guêpe, et après qu'on prend un bateau pour remonter par le... Oui. Je pensais comme ça, hein. Je pensais pas après. Oui, c'est faisable, mais du coup, tout dépend du front, quoi. Ouais. Vous savez pas trop, c'est dans la zone un peu risquée, quoi. Voilà. Mais bon, si on veut avoir des informations sur vraiment précises sur Yuko. Va falloir prendre des risques, quoi. De toute façon. Parce que le plus sûr, c'est vous remonter chez le lion et du coup et vous passez par la passe de Bédé. Non, le plus sûr, c'est de se poser tranquillement ici et de ne pas bouger. Dans la réalité, oui. Ouais, c'est pas fou, mais bon. Mais c'est un peu triste pour l'histoire, par contre. Et puis, bon, nos persos n'en ont pas forcément envie. Vous faites comme... Ça dépend. Qui que tu veux passer par ton clan ou pas ? Très bien. C'est-à-dire que oui, son époux là-bas... Oui, allons rencontrer ton époux. Et au moins pour avoir des infos. Et après, on prie pour remonter le long du fleuve en espérant
ne pas être trop proche de la ligne de front, quoi. Ah, mais vous ne serez pas déçu du voyage, hein, mais franchement, vous verrez, hein, mon époux, c'est un peu juste épouse à moi que... Très bien, ben, un plaisir de faire sa connaissance. T'avais décidé de quelle province c'était, Tourougi? Non, pas spécialement. J'aurais tendance à croire que t'es plutôt plus au sud, où il y a la forêt. Ouais. Bon. De toute façon, une fois en terre guêpe, on sera plutôt tranquille. Donc. C'est pas mal, t'as envoyé un message disant qu'on allait dans le clan du renard. Mais je suis pas au courant, hein. C'est dû à faire. Ouais. Ok. Ah, on y va, mais on va faire des tours par la guêpe. Tant de trouver une solution. Ok, donc vous prenez un bateau pour aller chez la guêpe. C'est ça. L'idée. Ok. Je vais quand même dire à ma mère nos projets, et puis si elle peut nous fournir de l'équipement quand même, hein, tant qu'à faire. Hein. Bon, ça a de l'argent, je sais pas... Je pense qu'on peut demander au magistrat, peut-être au sensei magistrat, ce qu'on pourrait avoir besoin pour aller dans le genre de cité. Je suis pas sûr qu'il y en ait un de nous qui soit vraiment au courant de comment ça se passe dans une cité comme la cité du mensonge. Oui, vous pouvez prendre un peu d'argent, oui. Ça, y a pas de problème. Il peut fournir. C'est et puis j'ai demandé à ma mère si je peux lui emprunter une nouvelle servante, car la mienne est restée en terre de Soumé. Elle pourra récupérer d'ailleurs en montant voir les miens. Si tu veux. Comme ça, pour tout ce qui est marchandage, ça nous permettra d'avoir un peu d'aide, quoi. J'avoue que je préférerais un Shadow d'Aidoji, mais je suis pas sûr que ça soit disponible. Je crois qu'ils sont tous demandés. Je suis même pas au courant que ça existe. Techniquement. Du coup, vous pouvez prendre une paire de jours pour organiser tout ça. Ouais. Elle vous trouve un bateau pour faire votre traversée. Par contre, le bateau, il restera pas avec vous. Hein. On se d'accord. Non. Oui, il vous dépose et après, vous vous débrouillez. Ouais. Et donc, comme ma cousine, je suis envoyé un message, surtout je demande à ma mère qu'elle envoie un message au Daidoji pour le clan du renard, quoi. Si quelqu'un peut, du moins, si un Daidoji peut s'y rendre pour prévenir le renard, ou même rester sur place pour enquêter, ce genre de choses. Je sais qu'on n'a pas tant de ressources que ça, mais bon. Oui, ça elle peut s'arranger. Je précise que c'est en rapport avec les problèmes spirituels que rencontre... Tu rencontres l'Empire, donc... Le sensei, il va partir avec vous, et il va descendre à Kyoden Doji. Qui est, du coup, la première ville que vous allez croiser en entrant dans le fleuve. Oui. sauf si vous avez d'autres choses à faire, on peut faire une avance rapide et... considérer que le voyage est fait. Oui. Tu peux partir du principe que j'aurais demandé à ma mère d'être prudente. Tu sens que ça la stresse moins, la guerre. Ouais, tu m'étonnes. Sauf que moi, ça me stresse que ma soeur soit morte et que je me retrouve également sans mère, perdue en pleine terre scorpion. Hein. En l'occurrence. Elle est peut-être pas morte, ta soeur, si tu racontes. Non, mais bon. Puis tu seras pas perdu, t'es pas tout seul. Peut-être elle a trouvé un beau garçon et elle a fui avec lui, tu vois. Ouais. On va dire ça. Ah, c'est un peu de famille, hein. Oui, ça serait de famille, ouais. Oui. Moi, j'enverrai un message à ma mère pour la prévenir de la disparition de ma cousine. Pour ne pas laisser les choses ainsi. Je la remercie aussi de bien prendre soin de la petite. À envoyer. Le seul qui entend un mot sur deux de Kokoe. Ouais. Désolé. Moi aussi j'ai du mal. Hein. J'avoue que j'ai une petite voix parce que je suis complètement fatiguée et j'arrive pas trop à suivre là. Du coup, est-ce que tu peux reformuler ce que tu veux faire, s'il te plaît? Je vais envoyer un message à ma mère pour
Déjà pour la remercier de prendre soin de la petite. Et okay. Puis pour lui indiquer un petit peu tout ce qui se passe, la disparition de ma cousine, nous retrouvons obligés d'y aller. Voilà. Ok. Oui, en plus, toi, t'as des alliés dans le clan du scorpion. J'enverrai également un message à mon... pour lui dire où je me rends. Ok. En lui expliquant que ma cousine est portée disparue et que je me dois d'aller la rechercher. Il est possible au clan de la. S'il est possible pour le clan de la chauve-souris d'envoyer un serviteur pour nous aider dans cette tâche, nous en serons sans doute soulagés. D'accord. Je pense qu'il comprendra très bien ce que ça veut dire. Une parfaite petite samouraï du clan de la chauve-souris, du moins du nouveau clan de la chauve-souris. Ok. Bah, c'est surtout que ça peut nous éviter de crever. Quoi, donc... Oui, oui. Non, mais c'est marrant le, comme tu formules ça de façon si détournée. Ah bah ça. D'ailleurs, je vais demander combien de temps j'en aurais si je me rendais dans mon clan. Combien j'en aurais? De bateau. Oui, oui, oui. Bah, de toute façon, il va falloir que tu commences à faire gaffe en te déplaçant, donc ça fait quand même quoi? T'es quoi, c'est 6 mois, c'est ça? T'as quoi dans combien de temps? Ça n'a pas si longtemps. C'est pour ça que ça commence à devenir angoissant et que je commence à réfléchir à est-ce qu'on y va vraiment maintenant ou est-ce que je rentre dans mon clan pour accoucher parce que genre... La cité du mensonge, moi, c'est peut-être pas le bon endroit pour faire naître ton enfant. Hein. Bah oui, oui. Oh. C'est pour ça que ça m'angoisse un peu. Moi, je dirais un bon mois de bateau. Un bon mois. Je vais en parler aux autres, en fait, simplement. Yoake-sama, pensez-vous vraiment qu'il soit pertinent que je me lance dans une telle aventure dans mon état? Peut-être vaudrait-il mieux que je rentre dans mon clan. J'ai des choses à faire. Tant de... être un peu plus... apte à me déplacer. Vous accouchez dans combien de temps, cousine? Dans un mois grand maximum. Un peu plus. Vous m'avez dit que j'étais à plus de 6 mois. Il te reste un peu plus de 2 mois, je dirais. Un peu plus de 2 mois, donc beaucoup moins, en fait. Ça devient chaud, là. Ouais, là, ça devient chaud, là. En fait, voilà, c'est... Après, tu peux prendre des porteurs hein, pour te déplacer. Mais... Oui, mais bon, au bout d'un moment, ça devient quoi. En tout cas, Ryoko Waritoshi, tu te doutes bien que. Comment dire. Que tu auras du soutien vis-à-vis de ton. Oui, oui. C'est vrai que si tu accouches là-bas, alors nous, on n'est pas censé le savoir. Oui, oui. Mais de toute façon, je te vois faire des choses très téméraires depuis que je te connais, donc d'un autre côté... Mais les scorpions, c'est pas des communistes qui mangent des bébés, hein. Faut arrêter. Hein. C'est les zones qui font ça. Hein. Ah ouais, mais c'est pas que ça, c'est aussi le trajet dans la guerre et tout, en fait. Ça, par contre. Bah, vous serez sur bateau. C'est vrai, on prend le bateau, ça peut Techniquement, faire. Si vous passez pas par les Tsurushi et que vous prenez le bateau, vous allez avoir... Après, ce qui est compliqué aussi, c'est que en vrai, mon personnage veut aller dans cette ville et avec l'enfant. Ah oui. Bah oui, oui. Forcément. Bah, en fait, je pense que le plus simple dans la réalité, c'est qu'on aille chez les Tsurushi, qu'on se pose chez les Tsurushi, comme ça on pourra envoyer des messages dans le clan du renard. T'accouches chez les Tsurushi, et après, une fois que t'as accouché, on va à Ryokohori. Ouais, éventuellement, ouais. Autant ne pas rester chez les Tsurushi et y aller directement. Avec un enfant sur les bras, ce ne sera pas tellement plus facile. Oui, mais se déplacer en zone de guerre en étant dans votre état... Ouais. En bateau. D'autant plus qu'on n'est pas remis de la maladie, qu'on n'a tous pas beaucoup de points de vie. C'est vous qui voyez, cousine. Là-dessus, je vous laisse choisir.
si vous considérez que vous pouvez vous déplacer comme ça sans problème et aller à Ryoko ou à Ritoshi dans cet état, faites-le. Après l'état, je suis. Bah, tu commences à avoir un sacré ventre, je suppose. Oui, mais oui. Tu sais que toutes les femmes sont pas égales hein, là-dessus. Oui. Ouais, je sais pas, moi j'ai pas forcément envie de te faire chier là-dessus, donc entre guillemets. Ça se passe bien quoi. Oui. Allons-y. Bien. Bon, il est possible que ton enfant ait deux têtes quand tu accouches, pas à cause de la maladie, mais bon, voilà. Il y en a deux, ça va encore. Oui. Bon, il sera plus fort pour coller les timbres quoi. Ouais, c'est une grande qualité. Ouais, c'est vraiment... Là, personnellement, je te donnerai pas de conseils parce que je n'ai pas été enceinte, donc... Ah bon ? Je parle de mon père. Parce que toi, ça t'est arrivé. C'est une boutade. Donc moi, je t'aurais conseillé d'accoucher plutôt chez Kikyo, parce que le temps qu'on y aille, bah, il te restera sûrement moins de 2 mois. Après, si tu veux qu'on continue dans ces... comme ça... Nous verrons là-bas. Les Tsurushi, ça va aller vite, hein. Ouais, mais il y a quand même le trajet hein, qui peut être long. Ouais. À la base, pas forcément, en fait, si on y va en bateau. Le temps d'aller, du moins, prendre le bateau à Kyudendoji, ensuite d'arriver chez Tsurushi, prendre des transports jusqu'à chez elle. Vous prenez pas le bateau à Kyudendoji, vous prenez le bateau là où vous êtes. Le bateau, il fera un arrêt à Kyudendoji, mais vous descendez pas, vous continuez. Ouais, non, mais déjà, t'en as pour une semaine. Le temps qu'on descende jusqu'à chez Kikyo, il y en a au moins pour une semaine. On ne sait pas combien de temps elle va passer à faire ce qu'elle a à faire avec son mari. On va voir si elle va être enceinte. Assez expéditif. Ah bah non, c'est sa première fois quand même. C'est vous qui voyez là-dessus. Eh bien, nous verrons une fois là-bas. Voilà ma réponse. Ok, bon bah parfait. Dans ce cas-là, direction les terres... Mais j'aurais quand même envoyé le message en donnant notre passage et en disant que ben voilà, si tu peux m'envoyer un serviteur, ce sera peut-être pas perdu. Et donc on prépare le trajet. Et puis après on part. Je suppose qu'on part un peu avant l'armée. Bon, en même temps. Hein. En même temps. Du coup, vous avez droit à une scène d'adieu, de revoir entre Kikita, Yuake et Sam. Alors, je suis pas sûr que la scène d'adieu soit très émotive, hein, connaissant la maman. Non. Et voilà. Tu meurs, je te tue. Je pense qu'elle aura peut-être été un petit peu plus émotive en privé, mais je pense en public, ça m'étonne. Mmh. Elle va te souhaiter bonne chance dans ton aventure. Je vais essayer de ramener ma sœur, mais je ferai ce que je pourrai, mère. Je m'inquiète plus pour vous actuellement. J'espère que vous réussirez là où j'ai échoué avec votre frère. Je l'espère. Je vais lui laisser un message parce qu'elle va passer par Kudensume techniquement, donc pour Miyoko en l'occurrence. Faites attention à la famille de Tsume, même si le Daimyo n'est plus à Kudensume et que je pense que Tsume Miyoko pourra vous aider. Faites quand même attention. Sachant qu'il a menacé ma sœur quand j'y suis passé, je préfère. Et je me tais parce que de toute façon elle est plus expérimentée que moi. Donc, Bon, elle va dire. Elle va rester dans un silence parfait et va se mettre en marche avec son armée. Et si je vais lui dire de me prévenir si elle entend parler d'un descendant de Akodo, et j'ai mangé le nom. Vous savez, l'Akodo qui a perdu, du moins, qu'on a un Akodo qui veut remettre un katana aux descendants d'une ancienne lignée. Oui, je sais, mais je sais son nom non plus. Masahiro. Voilà, Akodo Masahiro. Oui. D'ailleurs, dans la lettre, je t'écrirai la lettre pour Miyoko, mais il y aura aussi des demandes là-dessus. Hein. Ok. Bah, tant qu'à faire, elle monte au nord, ça veut pas dire qu'elle va apprendre quelque chose, mais si elle en entend parler, je lui demande de me prévenir. Si elle veut poser des questions, elle peut peut-être, mais que c'est potentiellement pas une bonne idée de poser des questions. Il y a encore une histoire d'armes ancestrales en jeu, donc voilà. Très bien, très bien. Bah, du coup, vous prenez la route.
Vous arrivez, vous faites une petite escalade au J, à Kyoden-Doji, ouais. Donc ville sublime, etc. Et puis vous reprenez la route pour Tsurushi, les terres Tsurushi. À Kyoden-Doji, j'aurais demandé quand même si on fait une escale d'une heure ou deux, si Doji Rina est présente à Kyoden. On va te dire que non. Effectivement, le dojo est où elle a été formée, mais on va te dire que on l'a pas vu depuis longtemps. Ok, bien. Bah, pareil, je déposerai un message qu'elle me contacte en terre de Tsurushi ou à Ryo, du moins, ou me faire envoyer un message à Ryoko ou à Ari. Elle l'aura, si jamais il la retrouve. Alors elle marche. Peut-être que le magistrat la trouvera avant. Oui, quand même, je vais vous préciser que je vais quand même vous dire, parce que vous m'avez entendu parler d'une doji que je connais par rapport à l'enquête sur ma sœur. Donc, Doji Rina, c'est ma meilleure amie, et je sais qu'elle est impliquée dans les faux tableaux, dans l'occurrence. Ah. Parce que tu comprends pourquoi j'étais légèrement énervé. Très bien. Et que j'avais transmis l'information. Au sensei des artistes Kakita, mais lui-même est impliqué dans ce genre de choses, je sais pas quoi dire. Quoi. Pas grand chose. Non. Plus rien de mieux dans ces temps obscurs. Histoire de vous poser un petit cliffhanger pour la fin de la partie, je vous fais une petite cinématique. Ah. Sur votre arrivée chez les terres Guêpes. Vous arrivez. La situation est un peu fébrile. Les Guêpes vous reçoivent de façon un peu tendue. Vous êtes accompagné d'une Guêpe, donc ça va. Mais voilà, ils sont. Et en fait, les terres du sud ont été évacuées. Parce que sous contrôle crabe. Ah, bon, ils ont attaqué les guêpes, d'accord. Bon, c'est même pas une attaque, hein. Ils se sont présentés. Voilà. Ils sont installés. Ils ont déplacé la clôture. c'est un peu l'idée. Hein, voilà. Reculer, on passe. Comment ça vous passez? Et du coup, les guêpes se sont mis derrière le fleuve pour se protéger. Donc voilà. Et évidemment, ils ne vont pas risquer de se frotter au clan du crabe, hein, qui est beaucoup trop nombreux et beaucoup trop bourrin pour eux. Voilà, dans tous les cas, dans tout ce bordel massif, Tsurushi, Kikyo, tu vas finir par trouver ton mari, qui s'est installé avec d'autres quelque part, quoi. Et donc, vous êtes reçu par son mari, et vous le reconnaissez. Ah. Bon, ça, vous pouvez voir les yeux qui brillent dans Kikyo et tout. Oh, il est trop beau, mon époux. C'est qui son mari? C'est le général Scorpion qui a défié Shiba... Shiba Tsukune. Mais toi, tu l'avais pas vu, Kikyo? Ah bah si, attends, tu l'as vu ce général? Bah oui, tu l'as vu parce que... Oui, tu sais que c'est un scorpion automatiquement, de toute façon. Oui, bah oui. Ouais. Je l'ai rencontré, je me suis marié avec lui quand même, donc oui, je sais. Bah il aurait pu te mentir et se faire passer pour un Tsurushi. Hein. Enfin, difficilement, vu sa notoriété. Donc en fait, maintenant, vous êtes deux à être mariés à des scorpions. Bien joué. Mais y a un truc qui est bizarre chez lui. On reviendra plus tard là-dessus. Ouais, là, parce qu'on comprend même plus ce que tu dis tellement tu tousses. Il est temps d'arrêter, Obi. Ouais, c'est bon, hein, ça va. Hein. Mais voilà. Du coup, c'était le petit cliffhanger de la mort qui tue. J'espère que ça vous a plu. Encore un voilà, bon gros voilà. Bordel. Ben oui. Ah, c'est vous avez pas fini, hein. Vraiment vous avez pas fini. Et puis c'est. Moi j'essaye de vous envoyer dans des endroits qui vont vous permettre de clôturer des choses et de faire le tri dans toutes les infos que vous avez, mais vous voulez pas. Alors moi j'y peux rien. Hein. Ah, tu nous as mis la disparition de sa sœur. On n'allait pas dire on s'en fout.
Mais oui, je sais bien. Mais on aurait pu passer par le lion pour clôturer peut-être quelque chose sur le lion. Ah oui, mais... Mais bon, on est passé par les Tsurushi, et puis on va remonter par la passe de Biden, comme ça on passera par le lion. On aura fait un énorme détour, mais c'est pas grave. Bah non, en fait... Non, en fait, même pas. On n'aura même pas fait de détour, en fait, si on remonte par les terres du clan du lion. Parce qu'on peut reprendre le fleuve qui remonte, c'est bien ça? Oui. Non, non, enfin voilà, vous discuterez, je vous mettrai la carte pour que vous réfléchissiez à vos trajets, mais voilà. Dans tous les cas, il y aura à discuter avec le mari, c'est un personnage rigolo. Bah, du coup, à la semaine prochaine pour les auditeurs, dans 15 jours pour vous, et puis voilà, gros bisous, abonnez-vous, tout ça.